m'appelle, tout est réel, viens savourer les fruits de la passion. Juste avant de venir en toi, je t'aime, bitch. Juste après, je sais plus si je t'aime, bitch. Non, j'ai pas changé de système, bitch. Je te fume, te jette comme un petit ster, bitch. Me fais pas la peine, ou je te dis. Nothing can stop me, I'm all the way up. Yo les BG, c'est Riven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars. J'espère que vous avez la patate, etc. Parce que moi, je vais super bien. Donc voilà, aujourd'hui, ça sera une nouvelle vidéo tuto BO3 de la semaine. Voilà, bon, des fois, il y a des semaines où j'en fais pas. Cette semaine, j'ai décidé d'en faire un, voilà, ça peut aider. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, ouais, comment tu fais pour mettre des nucléaires, comment tu fais pour mettre des plus de 100 kills et tout. Donc voilà, en gameplay de fond, vous aurez un, je crois, c'est 120 kills à la Weevil. Et je crois que c'est double nucléaire aussi. Je crois que je l'avais mis dans une vidéo d'hier, mais elle a pas marché. Du coup, j'ai voulu remettre le gameplay parce qu'il était important dans les deux. En gros, il avait un lien entre les deux sujets. Et donc, voilà, je vais vous donner quelques on va dire conseils pour pouvoir réaliser plus en kill facilement. Donc, premier conseil déjà, c'est de jouer avec une classe avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Donc, une classe que vous savez bien gérer, où vous savez le nombre d'accessoires qu'il faut, etc. Voilà, c'est à vous de choisir votre classe, à mettre ce que vous voulez dessus pour vraiment être le plus à l'aise possible. Donc moi dans cette game j'utilisais la Weevil, charge rapide, charge grand cap et poignée je crois, voilà c'est ça, poignée, vraiment une super classe qui permet d'enchaîner facilement. Voilà. Ensuite les gars, deuxième conseil, c'est de jouer dans des modes à objectifs qui durent longtemps, parce que si vous jouez dans une MME vous ne pourrez pas, c'est impossible. Si vous jouez dans des modes qui durent pas assez longtemps, donc comme le C, c'est pas possible. Donc voilà, de la liaison, de la domination, c'est vraiment les modes les plus simples pour réaliser des nucléaires. Et en même temps, voilà, faire des puissances kills parce que vous avez le temps de faire beaucoup de kills et de gérer les manches beaucoup plus facilement. Et on va revenir à un autre point. Donc un autre, on va dire, conseil serait de jouer en groupe. Pourquoi en groupe, les gars? Je vais vous expliquer. Parce que en groupe, vous pouvez parler aux vos alliés pour dire, ouais, il faut défendre là, il faut mettre la balle à ce moment-là. Alors que quand vous êtes solo, c'est à vous de gérer tout seul. Et en gros, vous devez dire, vous devez empêcher vos alliés, par exemple, de marquer. Vous devez empêcher vos ennemis de marquer tout seul parce que vos alliés, peut-être, ils font pas attention. Alors qu'en groupe, vous avez vos coéquipiers, vous leur dites de faire ça. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et c'est beaucoup plus facile de communiquer et de dire les positions des ennemis. De dire, ouais, bon, voilà, on va laisser sa manche. Il faut marquer, sinon on a perdu, etc. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup plus simple. Vous pouvez aussi gérer les spawns quand vous êtes en groupe, que vous ne pouvez pas trop faire en solo parce que vos alliés ne sont pas, on va dire, à la hauteur. Voilà, c'est vraiment très très important de jouer en solo. Pour ensuite faire des gros carnages, je vous conseille aussi le purif les gars, parce que c'est vraiment quelque chose qui permet de faire un grand nombre de kills dans les spawns, surtout parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui permet d'enchaîner et de tuer facilement. Donc voilà, tu peux même te faire des séries de 15 avec un purif quoi, en même pas allez 30 secondes avec un purif, tu peux te faire une série de 15, c'est vraiment énorme. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'important le purif. Donc voilà, purif faux, mettez pas d'armure cinétique à part si vous préférez, si vous arrivez à les gérer dans le spawn. Mais voilà, pour ce qui est des séries de points, moi bien sûr je ne jouais pas en série de points de kill, mais après si vous voulez vraiment, vous avez vraiment du mal à le faire sans série de points qui tuent comme des kill streaks, comme le fantôme, les raps ou encore NUTGI, etc. Bah voilà, vous pouvez les mettre si vous avez du mal, mais sinon je vous conseille drone d'autobroyage hater ou drone d'autobroyage noyau énergétique, non, ou drone noyau énergétique hater, c'est vraiment indispensable aussi. C'est vraiment ces accessoires que je vous conseille qui sont indispensables pour réaliser vos gameplays, et vraiment il faut les avoir, sinon vous aurez extrêmement du mal à les réaliser. Ensuite les gars, bien sûr je n'ai pas parlé, mais les maps avec lesquelles il faut le plus on va dire, vous avez plus de chances de mettre des plus de 100 kills, c'est les petites maps, hein, vous n'allez pas mettre un plus de 100 kills sur Redwood, je crois j'en ai mis un, mais j'ai eu de la chance, moi, je crois c'est le seul. Mais voilà, les plus de 100 kills c'est vraiment des petites maps comme sur Nuketown, Combine ou encore Fringe, parce que les spawns sont assez faciles à gérer. Mais voilà, Nuketown, Combine, c'est vraiment les deux maps les plus simples à gérer pour taper des plus de 100 kills, parce que c'est vraiment des maps courtes avec des courts duels, pas besoin d'aller chercher les kills très très loin, sachant qu'en plus il y a des spawns pour tout le monde dans Combine et Fringe, il y a des spawns pour tout le monde, alors que dans d'autres maps, on va dire comme, allez, je vais vous dire une map Eva, qui a peut-être spawn A et B, et A et C, pardon, et après il y a des spawns des autres, il n'y en a pas.
Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à taper un plus de 100 kills après avoir vu cette vidéo, si ça vous a aidé, si vous faites des meilleurs scores. Peut-être pas taper plus de 100 kills direct, mais faire des meilleurs scores. Peut-être être en 50 kills et avec les conseils que je vous ai donnés, peut-être être en 60, 70, même 80. Si vous étiez presque à 80 et que vous avez réussi à passer le 100, bah, dites-le-moi dans les commentaires. Ça m'intéresse, ça prouve que ma vidéo elle a pas servi à rien et que voilà, si ces types de vidéos vous aident et que voilà, je les fais pas pour rien. Voilà. En tout cas les gens, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à aller checker la description. Il y a mon Twitter, mon PSN, mon Skype des fois. Voilà, la musique de l'intro, etc. La musique que je mets dans le monde. Désolé les gars pour cette petite coupure. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit, likez, partagez et abonnez-vous. C'était Revenge. Portez-vous bien. Bye.